Bonjour, aujourd'hui on va voir comment commenter, insister et mettre en relief et des astuces pour le faire. Pour commenter, on a par exemple le verbe être, plus on peut ajouter entièrement, complètement, carrément un adverbe comme ça et on peut dire d'accord, du même avis, contre quelque chose. Ou en désaccord, non? Comme par exemple, je suis contre l'idée d'un système qui, ou je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis du même avis. Je suis en désaccord sur ce point-là, par exemple. On peut utiliser aussi, pour ma part, comme pour introduire un commentaire. C'est un peu la version de à mon avis. Un peu plus approfondi. Comme pour ma part, je dirais que là, là, là. On peut dire aussi à mes yeux ou à mon sens. À mes yeux, c'est compliqué. À mon sens, je propose, je ne sais pas. On peut aussi utiliser le verbe trouver. Trouver quelque chose ou tout simplement trouver ça avec un adjectif. Je trouve cette idée bizarre. Je trouve la situation trop complexe. Par exemple, je trouve ça ridicule, franchement. On peut aussi dire tout à fait ou pas du tout pour exprimer qu'on est absolument d'accord ou qu'on est absolument en désaccord. Par exemple, si quelqu'un dit je considère que le gouvernement doit faire une telle chose. Tout à fait. Tout à fait. Si on dit je considère que il faut interdire les végétariens dans les restos. Pas du tout. On peut aussi dire oui, mais quand on n'est pas complètement d'accord, on est dans un point d'accord, mais on veut ajouter une autre chose. Oui, mais ou dans un langage informel, on peut dire ouais. Ouais, mais c'est plus informel. On peut dire aussi je ne nie pas que. Je ne nie pas que l'abolition de. Je ne sais pas. Okay. Non, niego que. Je ne nie pas que. Ou si on veut exprimer le désaccord d'une manière polie, je diverge sur le point que, je diverge sur l'idée que, je ne sais pas. Pour insister, on peut dire, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. On peut dire aussi, mais non. Ou, mais si. Attention, là, on utilise un si explétif. On l'utilise pour marquer un peu plus d'emphase. Mais si. Ou, on peut dire, je te dis que, ou dans un langage formel, je vous dis que. Okay. Dans un langage familier, on peut dire un point, c'est tout. Ça veut dire comme. Il n'en est pas question. Je ne vais plus commenter sur ce point, etc. Mais c'est dans un langage familier. Par exemple, je suis entièrement en désaccord. Un point, c'est tout. Par exemple, je ne l'accepte pas. Un point, c'est tout. Ou aussi, il est très important, il est essentiel. Il est fondamental de plus en infinitif. OK? Par exemple, il est essentiel de sensibiliser les gens sur, attention, il est adjectif, la préposition de et le verbe à l'infinitif. Attention, on ne conjugue pas le verbe. On utilise de plus infinitif. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phrase impersonnelle ou les expressions impersonnelles.
Et finalement, pour mettre en relief, rappelez-vous, la mise en relief, c'est pour donner l'emphase sur un point de la phrase. OK? On va l'employer pour souligner un élément important de la phrase, on dit. Par exemple, on a la possibilité d'utiliser c'est plus un sujet plus qui. Par exemple, c'est Julien qui doit rédiger les documents. Julien, c'est le sujet du verbe rédiger, bah, du verbe devoir rédiger. Alors, on peut avoir une phrase simple comme Julien doit rédiger le document, mais si on veut faire l'emphase sur Julien, ce n'est pas Jasmine, ce n'est pas Marc, c'est Julien qui doit rédiger le document. Même chose avec un COD, avec un complément d'objet direct, mais avec que. Par exemple, c'est ce thème que nous devons réviser d'abord. Ce thème, nous devons le réviser d'abord. Mais si on veut faire l'emphase sur ce thème et pas un autre, on dit c'est ce thème que nous devons réviser d'abord. Aussi, si on a un complément suivi de, on va utiliser dont. Je parle de la pollution. Bon, si on veut faire l'emphase, si on veut le mettre en relief, c'est la pollution dont je parle. Parce que la pollution, c'est le complément suivi de la préposition de. C'est la pollution dont je parle. Et finalement, on connaît tous le mot voilà. Et voilà, ça sert aussi pour mettre l'emphase sur quelque chose. Et voilà le problème. Oui, vous voyez, quand quelqu'un dit, ah oui, mais la situation, c'est que je n'ai pas d'argent maintenant pour voyager. Ah oui, voilà le problème. Voilà le problème. Voilà la situation. Voilà mon point. Ça, c'est tout. Merci. À bientôt.